Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to our show, Cherchez l'Artiste. I am Leslie Dallancourt, and we have a phenomenal show tonight. We have two fantastic guests, and I'm going to start with our friend, Jenan Seffler. Merci, merci. Merci, vraiment merci d'être passé au show. Aujourd'hui, c'est juste une petite introduction de toi, oui. Mais on a tellement de choses qui vont se passer. I have to tell you, Jenan is responsible for the Chamber of Commerce, the Haitian Chamber of Commerce in Fort Lauderdale. And you give so many opportunities to artists. Especially artists, because I know you love artists. And also writers and books and things like that. So, Jenan, if you would introduce yourself to our téléspectateurs. Thank you so much. My pleasure. I will make it quick. I'm a daughter of Haiti. I love my country. I'm very in love with art in general and culture. I am one of the founding members of the Haitian American Chamber of Commerce. We are located in Fort Lauderdale, but I am a recent author. Oh, wow! You didn't know about that. I didn't know! Because I'm a 20-year cancer survivor. 20 years? Four cancers in 20 years. Four? And I wrote a book. So I'm very proud of this. Wow, congratulations. Thank you. Oh my gosh, you're going to have to tell us. Now we forget about the interview. We're going to talk about the cancer. No, we're going to talk about the chamber. So 13 years ago, a couple of friends of mine, we started together. Yes. To bring Haiti's cultures, Haiti's product. Parce que les gens ont une nostalgie de tout ce qui est haïtien. De tout ce qui est haïtien. Mais c'est nous tous, oui. De ma robe, la nourriture et tout. J'adore. Harry Lafont. Merci, Harry. Yeah. C'est qui est-ce qu'il a fait pour toi? Harry Lafont. Il est ici? Non, il est en Haïti. Oh. Et c'est vraiment ce qui se passe avec la Chambre de commerce, c'est la connexion entre Haïti et les États-Unis et aussi d'autres pays. Oui. Parce qu'on essaie de trouver des gens de partout qui essaient de promouvoir l'excellence, oui. Ou du moins ce qu'on a d'excellent en Haïti. Oui, oui. Jusqu'à présent, je peux dire que c'est toujours là. Oui, oui. Là, oui. Et toujours ce qu'on peut vendre partout à travers le monde. Moi, j'ai été dans plusieurs fêtes de la Chambre de commerce. Numéro un, je me suis amusé comme un fou. Oui. Numéro 2, c'était vraiment magnifique. Est-ce que tu as pu ouvrir derrière, par derrière? Non, pas encore. Pas encore. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir différentes... et de nous positionner dans différentes villes au niveau de Broward County, que ce soit à Miramar, que ce soit à Fort Lauderdale, à Oakland Park, à Coral Springs. Mm-hmm. On essaie de faire différentes activités et je vous invite aussi bientôt à Belleau. Belleau sera dans nos murs à Miramar. C'est une grande invitation. Et la promotion de l'or, pour moi, c'est très, très, très important. Et surtout si la personne qui produit est très engagée. Quelqu'un comme Annie Alliott, qui aura un festival de or et culture le 7 décembre à Coral Springs. Tu vois, on essaie de toucher toutes les villes. Oui, oui. Et Belleau, c'est moins, pas moins, parce que Belleau tellement grimpé le message d'espoir que la baille, elle a parlé. En général, d'Haïti, son lipote le patou nan ke li, même j'avais pour drapeau. Vous connaissez espoir, le même jour, bagay. Haïti a tout n'est salté, oui. C'est pour le moment, on est en train de passer une mauvaise étape. Une bombe, a hump. Mais we are going to be back and we're going to be l'appel des Antilles again. Because such a beautiful country, we cannot let it go to waste. Et c'est pour cette raison-là que je pense que moi, j'aime dire que je suis une ambassadrice. Oui. J'apporte Haïti. Tu es une ambassadrice. M'apporte Haïti dans que moi quelque chose à côté mien. C'est magnifique. N'importe côté moi il veut parler moi dit et haïtien côté yo. So, ça semble qui très important. So, Haïti peut revenir l'appel et va dans revenir. Années, va revenir l'appel. Mais moi je t'assure que si moi même moi pas une chance pour moi ouais, il pas de problème, mais je travaille pour les connaître. C'est magnifique. C'est ce que je fais, surtout avec les jeunes. Et on a de jeunes artistes, on a de jeunes écrivains. Et nous sommes en plein Miami Book Fair, pas comme ça. Oui, oui, en Book Fair, in Fort Lauderdale, Miami because I know the one in Miami. Miami. Yeah, oui, oui, bien sûr. J'ai Lionel Gerdes qui va être dans le Book Fair. Peter David et aussi Daniel Rouzier. Et l'une des initiatives que la Chambre de commerce a prise, c'est on va avoir. On a déjà ce qu'on appelle un book club qui s'appelle Octavo. Oui. Et on a choisi ces quatre artistes pour qu'on puisse avoir des discussions, des échanges avec les membres et les personnes. Ah, ça, c'est magnifique, ça. Et on pourra se rencontrer et avoir un bon temps, comme tu le sais. Oui, oui, c'est bien. Ah, vraiment, c'est vraiment faire bien. Une bonne discussion. Yeah.
Ça, c'est très important. Mais comment tu t'y prends pour laisser les jeunes savoir comment te rejoindre? How can they get to you if they are an artist and they are here, they are local, they have Haiti in their heart, but they don't know where to go. Moi, je marche de tout côté. Moi-même sur TikTok, là on a la chambre de commerce sur TikTok et sur TikTok, et toutes les réseaux sociaux et WhatsApp, Instagram, LinkedIn. Ils n'ont qu'à mettre chambre de commerce? Non, il y a même besoin de mettre chambre de commerce. Et ce matin, j'ai reçu un appel de quelqu'un d'Ohio qui veut faire quelque chose et puis il dit, moi, t'es où sur Internet là? Tout ça me fait vous le dire de côté. Mais nous assurons que nous allons retrouver jeunes sur Internet. Ok. Moi, j'ai l'âge moyen, pendant plusieurs années, on a essayé de les retrouver par rapport à la radio. Mm-hmm. Nous sommes toujours sur la radio, nous toujours venir sur Allen TV. Merci pour toujours recevoir. Oh, c'est un plaisir, ma chère. Et nous avons une bonne base de données. Peut-être que nous assurons que nous cherchons tout le monde, les universités aussi. Et on s'arrange pour que. Ok, so you go out and you have flyers and things toujours, like that. I'm a social, busy bee, toujours en côté. Tout le monde a plein, beaucoup de partout. Mais c'est bien ça, c'est bien. J'aime rencontrer des gens, j'aime leur parler, savoir ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils. Et de quelle direction ils sont en train d'aller? Parce que la jeunesse, maintenant, l'art que nous connaissions et ce qu'ils font pour le moment, du reste avec AI et puis computer, Internet, bon, c'est très différent. Moi-même, I'm still okay. C'est très différent, mais je veux te dire aussi que même la musique, nous avons une petite chanson française que nous aimons. Oui. Si nous nous levons, nous attendons, nous aimons. Mais nous-mêmes, si nous demandons qui musique qui courent en venir dans l'espace français ou bien antillais, par contre. Alors, c'est très important de garder ces contacts. That's good. You know, I'm going to put you in touch with Pat Biman. Elle est originaire de Guadeloupe, mais elle est très connectée dans le monde de la musique antillaise. Parfait. Fantastique. Fantastique. Très content. Bon, mais à part ça, quoi d'autre que tu veux? Parce que dans le temps, on va gagner le temps. Nous pour exemple, nous essayons de mettre business avec art. Nous essayons de mettre business correct avec sport. Mm-hmm. Et quelques années de ça, quand JetBlue faisait son premier vol en Haïti, on avait fait contacter Arosé Troubadou, qui sont belles jazz. Uh-huh. Et Arosé Troubadou a joué pendant moi ça en décembre, le 14 décembre. Et la passé dans la Casa Champêtre et sous beaucoup de la Casa Champêtre pendant que je finis de renouveler lui. Oh, il m'a connu tellement saisi, nouvelle. Ou pas même penser que c'est la Casa Champêtre. Donc so, l'idée c'est d'avoir tout le monde connecté et de finir faire tout pour avancer. Si pas grand pas, mais il faut nous avancer. Parce que nous n'avons pas qu'à arrêter stagne, nous n'avons pas qu'à arrêter dans une seule position. Non, c'est vrai. Et il y en a pas qu'à tuer moi, c'est que je devais aller en Haïti pour Haïti à déguster. J'aimerais bien avoir mon prochain défilé de mode, à Miramar. Mais on travaille là-dessus, on garde l'espoir et je suis toujours très contente de venir sur Allen TV pour me faire mon mieux. Oui, mais parce que. Même si on parle, ouais, moi ça m'avait dit que je ne travaille pas. Mais il y a pas en Haïti, au compte ça. Parce que nous passons sur Haïti. Ouais, définitivement. Donc, et on va te voir dans les autres îles aussi. Il y a d'autres Haïtiens qui sont artistes qui devraient te contacter. Comment qu'on te contacte? 954-638-83-21. 954-638-83-21. Je réponds toujours à mes appels dans moins de 24 heures de temps. Ok, mais est-ce que vous Instagram ou mon bail Google? Pour l'Instagram, vous pouvez toujours suivre nous sur tout handle, c'est H-A-A-M-C-C. H-A pour Haitian, A-M pour American, C-C pour la chambre de commerce. H-A-A-M-C-C, c'est facile. Voilà. C'est facile. Non, c'est bien. C'est bien parce que je vois que tu avances beaucoup et tu aides beaucoup. Oui. Et est-ce que quand un jeune ou bien des gens qui ont des choses d'or, que ce soit des livres ou des peintures, des tableaux, quand ils te contactent, est-ce que c'est une chose qui va leur coûter de l'argent? Ça va leur coûter beaucoup. L'une des choses que ça va leur coûter, c'est engagement. Yo. Parce que parfois, mon nègre va venir et dire mon 5 minutes, mon 10 minutes, et puis penser que c'est eux qui ont fait le travail là. Moi-même, je veux pour mon engager. Je dis toujours aux gens, c'est que je ne fais rien. Partager le travail là avec vous. Faut qu'on fasse ça ensemble. Et si je vois que la personne n'est pas engagée, c'est juste que mon a besoin de mon argent pour faire un bagage pour lui. Ça, c'est consultation, ça sera définitivement beaucoup plus cher. Je veux te dire que j'étais très nerveuse quand tu m'as dit de venir sur chercher l'artiste. Je me dis, mais je ne suis pas un artiste, ça va bien faire là. Oh, petit, mais après, ça me réfléchit, je me dis que bon, même remet là, ça ne sont pas important. Et pendant les deux derniers mois qui se sont passés, nous faisons presque 9 expositions. Que ce soit exposition avec les Martiniquais, right, que ce soit exposition avec d'autres
organisations. Mm-hmm. On a eu 70 pays à Haïti. On aura le festival de chocolat. C'est café, chocolat et culture à Miramar. Oh, ok. C'est tout ce bagage que moi, très imprégné là-dedans. Et pour répondre à ta question, quand les gens veulent exposer ou bien et promouvoir leurs produits, que ce soit mm-hmm. culinaire, que ce soit artistique, que ce soit des robes, quels mm-hmm. produits qu'on gagne ou bien on œuvre littéraire, nous t'a aimé que nous bon plateforme ça pour capable passer sous lui et me capable dire avec fierté. Et je ne sais pas si tu connais Raph Alain. Oui, j'ai entendu parler. Celui qui a fait le mural à Little Haiti Cultural Center. Right. M'a mouru pour me faire retourner pour qu'ils font l'autre. Excellent, mural. That's a great idea. Il a écrit un livre. So, m'a présenté le pour livre là, so, tu t'imagines de la peinture au livre, la peinture sur. Mais ne dis-moi vite quelque chose de ton livre. Mon livre s'appelle Persévérance. Persévérance parce que c'est persévérance. Comme tu disais tout à l'heure, c'est pas seulement que mon a déterminé dans ma vie pendant mes 20 ans et de combat avec le cancer, oui, que je Dieu, suis cancer free. Grâce à Dieu. Avec 4 cancers, j'ai trouvé que à chaque fois que je voulais faire quelque chose, il y avait toujours des obstacles. Ça m'a permis de faire 2 choses, de prendre mon temps, de reconnaître que qu'il faut que je me donne du temps. Je dois tout planifier. Mm-hmm. Et même quand je planifie, je me dis toujours que à la dernière minute, le combat a passé mal. So, tout ça m'a fait ce combat qui vient facile pour moi. Parfois, mon ne pense que mon équipe moi dit, oh, venez donc, et puis le fini 300 mon vini, 200 mon vini. Ça non. se prépare, ça se prépare, ça se prépare quotidiennement. Oui, ça, c'est vrai. Et je veux saluer une amie qui m'a dit une fois, hope is a discipline. So, si j'espère que les gens viennent à mes spectacles ou bien s'engagent avec ce que je fais, et il faudrait aussi que je sois discipliné. Et c'est ce que je demande à tout le monde, d'être un petit peu plus discipliné pour qu'on puisse faire le chemin ensemble et oui. arriver sûrement. Ça, c'est bien. Et tes événements commencent toujours à l'heure. Hein? Ça commence toujours à l'heure. Tu t'imagines que nous, on commence à entrer dans l'âge. Moi, je voulais pour si me dire qu'on finit à 9h. Pour à 9h, pour qu'on ait à 10h, privé la carrière. Parce qu'on connaît qu'on peut se dormir. Et puis, les gens ont d'autres engagements. Parce que moi-même, moi, on fait 4 événements. Ce sont bon mauvais leur bon leur haïtien. Juste pour qu'on marre. Puis, c'est vrai. Il va marcher parce que. Non, moi, je suis d'accord avec vous parce que moi-même, l'homme dit qu'il va venir performer mm-hmm. pour moi à 8h. À 8h, moi-même, que quelqu'un ne peut pas monter sous scène, je vais performer. Exactement. Et puis, fini toute la musique, moi, je suis malé. That's it. Et je vais vous donner un dernier lieu, saluer nos amis comme nous, Piment Oiseau, qui sont les gens qui sont Piment Oiseau, il y a une nouvelle peinture. Il y a plusieurs autres peintures parce que moi, je toujours suivre Piment Oiseau. Et ça, c'est tout un parcours. Et l'une des choses que parfois les gens ne réalisent pas, parce que c'est une grosse étape pour Piment Oiseau de commencer à dessiner. Nous allons inviter Piment Oiseau à venir ici. Piment Oiseau a une très belle voix et qu'elle chante aussi. Belle bagaille, belle bagaille. Ma chère, écoute, Jelan, c'était tellement un plaisir de t'avoir. Et tu vas revenir, tu me promets. Je te promets de revenir. Je Ladies promets. And gentlemen, make her promise you I right promise. Now. I promise that I will be back. We're going to take a little break. We'll be right back. Mesdames et messieurs, we are back avec notre nouvelle invitée, Maryse Jean-Louis Jumel. Maryse, bienvenue au Chercher l'artiste. Merci, merci, c'est un plaisir. Et comme Jelan, tu vas faire une introduction de toi parce que tu vas revenir. On a tellement de choses à te dire. Te dire que je ne vais pas m'arrêter à ça. Mais dis-nous qui tu es. Voici ta caméra. Bon, tout d'abord, je te dis. Bonsoir, et puis je suis heureuse de te voir, merci. Toujours d'ailleurs. Merci. Et puis, bon, c'est Maryse Jean-Louis Jumel. Oui. Je suis haïtienne, natif natal. Et passionnée de l'art et de la culture,
Alors j'ai beaucoup apprécié ce que Jenan disait sur l'art. Ah, effectivement, oui. Ah, oui. Je suis une passionnée de l'art et de la culture et de la communication, évidemment. Magnifique. Aussi. Et qu'est-ce qui t'a guidé vers pour faire un documentaire? Mais dis-nous avant, comment tu es arrivé à ça? Bon, mon expérience audiovisuelle. Toute ma vie et toute ma carrière, j'ai fait la télévision, je suis toujours à la communication et qui me dirige toujours vers là. Et c'est comme ça que m'atterrit sous à faire un documentaire. Mais c'est ma vie. C'est premier documentaire où? Et c'est premier documentaire que m'a projeté publiquement. Okay. Mais normalement, nous avons une compagnie de production audiovisuelle où nous travaillons sur toutes sortes de vidéos et de sujets. Toutes thématiques vraiment. Mais là, c'est péché mignon. Oui, non, donc, c'est pour ça que ce documentaire a vu le jour. Bon, ça fait depuis longtemps que nous travaillons sur le documentaire. Que tu penses à ça. Documentaire, ça, là, depuis 2012. Et puis, on a écrit, donc, on commence, on décide de faire un documentaire. Nous monter documentaire, nous éditer documentaire. Est-ce qu'on a un groupe qui travaille avec vous? J'ai une très bonne équipe. Tu as une belle équipe. D'Objectif Production et avec Sandra qui est là. Donc, oui, Sandra qui est là, mais qui m'a dit qu'elle ne vient pas à la télé. C'est notre chef de production, oui, à Objectif Production. Et là, notre équipe, nos caméramans, nos directeurs de photographie, enfin, toute l'équipe, oui, nous, depuis 2012, nous travaillons sur le documentaire. Mm-hmm. Est-ce que tu as eu à voyager, à aller à Haïti Et nous avons tourné le documentaire complètement en Haïti. Nous tournons le documentaire en Haïti. Et c'est dans le cadre d'une série qui s'appelle Essence en toile. Oui, tu me parles moins de ça. Et Essence en toile, c'est une série. Et le premier volet de cette série, c'est l'Odyssée de Sébastien Jean, qui est un artiste tout à fait spécial. Oui. Et il est d'Haïti? Il est haïtien. Et de quelle partie d'Haïti à peu près? Il est haïtien, il est né à Thomassin. Thomassin, je connais cet endroit, mais c'est quelque part dans Thomassin, c'est à quelques... C'est pas loin de la boule? Non, c'est à la boule. C'est à la boule. C'est la même zone, c'est dans ce sont les montagnes de Pétionville, Pétionville. Oui, oui. Et c'est là. Il a une histoire intéressante. Oui. Donc c'est pour ça que c'est ce qui nous a poussé à faire le documentaire. Donc dans ton documentaire, qu'est-ce que tu vas présenter? Tu sais, comment il a commencé ou bien... Tout à fait. Ce documentaire, c'est, je dirais, c'est une compilation d'archives, de amis, de collectionneurs d'art, de critiques d'art et de ses œuvres qui pral permettent nous vraiment bien décrire avec, je dirais, rendre justice à cet artiste exceptionnel qu'est Sébastien Jean. C'est un peintre qui dit beaucoup de choses et qui avait beaucoup de choses à dire. Mm-hmm. C'est un peintre qui avait beaucoup de colère. Donc... Il a vraiment parlé dans ses œuvres. Il a lancé des messages. Et où est-ce que tu vas lancer ce documentaire? Ce documentaire, c'est dimanche. Ce dimanche? Ce dimanche, 24 novembre. Parce qu'il est mort le 24 novembre 2020. Oh. Alors, pour le rendre vraiment pour un hommage à Sébastien Jean, c'est bien. Donc, on a projeté le documentaire dans le Little Haiti Cultural Center. Right. Which is a beautiful place. Absolutely beautiful. And there is plenty of parking. We need to say that for the people. Because, you know, no, seriously. Il y aura 6 heures. C'est dans la grande salle? C'est dans la salle de projection. Oui, il y aura un cocktail chez l'artiste peintre Édouard Carrier. Édouard Carrier, oui. Mm-hmm. Et là, on ira... Après le cocktail, après avoir regardé ses œuvres, parce que nous allons exposer ses œuvres, et à 6 heures et à 7 heures, ce sera
la projection du documentaire. La projection. Mais comme elle disait tout à l'heure, il faut protéger la Haïtienne. Nous trop riches culturellement pour que nous pas vraiment et fait partager message, parce que nos artistes ont tant à dire et tellement et tant à nous montrer. Mais également, je pense que aussi que les parents devraient pousser les enfants à essayer de comprendre d'où ils viennent. Parce que moi, par exemple, dès qu'on entend des chansons, par exemple, Nemo Jean-Baptiste ou des bagages comme ça, papa me dit, mais Vinchita, bam, Joe, what this is, what that is. Absolument. Absolument. Et moi, je ne pensais pas que ça allait me servir un petit peu plus loin dans la vie, mais quand je regarde, la plupart de nos musiques viennent de tous ces gens. Absolument. Et c'est et patrimoine, ça a l'important. L'important. Que nous partageons. Et que nous, justement, ces générations à venir, doivent savoir ce que c'est que l'art. Parce que nous, très riches et nous, très diversifiés. Par exemple, il y a la nourriture. Au niveau culinaire. Ah ouais. C'est important. Ah, c'est incroyable. Au niveau de l'art visuel, c'est important. On a la danse, on a tout en Haïti. On a tout. Donc, je crois que là, en plus, nos artistes peintres contemporains doivent se faire connaître. Et qui est-ce que tu vas faire ton prochain documentaire? Sur qui? Oh, nous avons plusieurs. Tu as plusieurs? Comme disait Sandra tout à l'heure, dans Fouang et en pile de commentaires. That's good. Et après ça, est-ce que le documentaire pourra être vu, par exemple, dans les librairies, ou bien est-ce qu'il pourra verra, être peut-être on verra, acheté? On verra. On n'a pas encore. C'est notre première expérience à Miami. Donc, nous allons partager avec ce public. Oui. Cette forme. Parce que ça commence à Miami, après ça tu peux monter sur New York, West Palm Beach, New York, Montréal, écoute, absolument. Il ne faut pas les oublier. Ouais. Le documentaire, il est en français, en anglais? Le documentaire est en temps français et en créole et sous-titré en anglais. Ok. Donc accessible à tous. Oui, parce que aussi nous avons beaucoup d'étrangers qui aiment beaucoup l'art haïtien. Absolument. Qui sont absolument vraiment des fanatiques. Et surtout, et cet artiste, Sébastien Jean, il a traversé les frontières. C'est un artiste qui est bien connu partout. Donc, et ce sera avec plaisir que nous invitons tout le monde à venir. Et comment ils peuvent te rejoindre? Me rejoindre... Ah, mais tu veux dire pour venir au show de dimanche? Eventbrite, ou bien aller Little Haiti Event. Event, peut-être. Little Haiti Event. Event. Ou Eventbrite et Essence Haiti sur Instagram. Essence ES. ESARTHAITI sur Instagram. ES, c'est Essence. ESARTHAITI. Sur Instagram. Et puis pour tout. Et puis ensuite sur Eventbrite, ils vont trouver l'événement. Et sur Little Haiti Cultural Center ou sur. Et toi, tu es basé maintenant sur Miami? Je suis basé sur Miami parce que il y a un énorme nuage épais sur Haïti. Oui. Donc, pour l'instant, on est à Miami. Ah oui. Depuis deux ans, on peut on pas est rentrer là, là-bas. À Miami. Et j'essaie de faire connaître de mon mieux, de faire connaître l'art haïtien en ici. Ben, that's the purpose of the show, Chercher l'artiste. Is I want to be able to give artists and people that are doing something for the art, a voice. I want them to know that they can come here and they can speak to me and tell the people that are out there. Absolument, so absolument. Parce que nos artistes, comme j'ai eu à te dire tout à l'heure, ils ont tant à dire. Ils ont tant à dire. Ils ont tant à dire. Et il y a un endroit ici qui fait beaucoup de choses, le Green Space Museum. Mm-hmm. Ils font beaucoup de choses. Alors,
Ce matin, un ami qui me dit, ah, les artistes en Haïti, ils ont plein de problèmes, ils ont pas fait là à Kounia. C'est mal connaître les artistes. C'est Kounia qui a produit. Parce que c'est Kounia qui a... Ils sont fermés. C'est comme nous pendant le Covid. Non, mais c'est Kounia qui a produit. Artistes en Haïti, ils ont dispersé en pile. Parce que vous connaissez que y a en pile foyer d'or en Haïti. Oui. Artistes de grand ouyo, oui. Ils sont obligés. Allez, oui, oui. Artiste Carrefour-Feuille, artiste qui était noir, le quoi des bouquets. Donc, artiste ça, yo, yo peut-être pas, ou yo, or yo, œuvre yo pas accessible, mais c'est Kounia y a produit. Parce que c'est Kounia y a vivre des bagailles qui permettent. Et produit. C'est vous-même qui pouvez aller, elle prend artiste ça, yo, mener yo bas nous. Pour nous-mêmes, nous capables d'exposer. Et c'est ça, Essence Centrale gagne comme objectif. Mettez en lumière l'art haïtien. Oh, c'est magnifique. I really want to congratulate you. I think, like, what you're doing and what Jenan is doing, it's beautiful. You know, when I first started doing music, I didn't have a venue where I could go and perform because, first of all, I was a little bit too wild. No, I was too. No. And I was singing in French, in Spanish, in English, in Creole, in Portuguese, Italian, and I had to say, what am I going to do? Where am I going to sell? Am I doing music for me or am I doing it for people? And I eventually collected myself and went in the direction that I went. But the Haitian artists need an exposition out of the country where people cannot go. People cannot go and visit them. So listen, tell us again where it's going to be at the Little Haiti. Little Haiti Culture Center, dimanche 24 novembre à 6h. Je te remercie, Maryse. On a laissé Matou au canapé vert. J'adore ça. Ce qu'il y a, c'est que nous sommes des amis d'enfance. Nous sommes des amis d'enfance. Je veux dire aussi merci encore à notre amie Jenan Saint-Fleur et Maryse Jean-Louis Jumel. Au plaisir. Mesdames et messieurs. Aux amis qui nous regardent. Aux amis qui nous regardent. Rendez-vous dimanche. Dimanche. Nous serons avec vous sur la même chaîne ce dimanche, dimanche prochain. Take a little time to do something good for somebody this week. I am Leslie Darancourt, chercher l'artiste. I love you. See you next time. Stop. Are you ready to party?